Bonsoir, le flash de ce mardi. Un groupe de pêcheurs ont appris un peu plus de mesures d'hygiène et techniques pour maintenir la qualité de leur prise au cours d'un atelier aujourd'hui. Un groupe de pêcheurs venant des régions du sud de l'est de Mahé ont enrichi leurs connaissances sur les techniques de conservation du poisson, de l'identification de son état et des mesures d'hygiène à observer. Il s'agissait d'une activité de sensibilisation organisée par l'Autorité séchelloise de pêche en collaboration avec le Bureau des normes SBS et l'Autorité de la santé publique durant cette semaine. Comment identifier un poisson en mauvais état? Quelles sont les différentes formes de décomposition de poisson? Les bonnes pratiques de conservation de poisson et les pratiques d'hygiène dans un bateau ainsi qu'au marché ou la poissonnerie? Tels sont les sujets étudiés par ce groupe de pêcheurs. Cet atelier s'est déroulé dans les centres de l'administration d'Assopin. La SFA envisage de conduire un atelier pareil jeudi au Mamel pour les pêcheurs des régions nord et centre Mahé et le 6 septembre à Pralin pour les pêcheurs de Pralin et de la Digue. De nombreuses personnes ont profité à l'occasion de amener leur chien ou chat pour la stérilisation ou pour la installation d'une micropuce ou encore pour d'autres services au centre communautaire de Grand Ansmaé. En effet, l'association des vétérinaires privés et du gouvernement, la SSPCA, ainsi que plusieurs autres partenaires soucieux du bien-être des animaux ont commencé à offrir ces services dans les districts. Le programme de stérilisation coûte 300 roupies par animal. Le docteur vétérinaire de Medivet Care, Maria Médéric, a déclaré avoir constaté une réduction dans le nombre et la fréquence de stérilisation des animaux de compagnie. Alors, ils ont formé une organisation pour rendre durable le programme. Le nouvel ambassadeur d'Algérie aux Seychelles, Filali Gouni, a présenté ses lettres de créance au président Wavaram Kalawan à State House ce matin. Monsieur Gouni est le 11e diplomate représentant son pays ici. Il devrait exercer un mandat de 3 ans. L'ambassadeur Gouni a transmis les bons voeux du président d'Algérie au président Ram Kalawan. Il a également rendu une visite de courtoisie au vice-président Ahmed Afif. Il a déclaré vouloir redynamiser les relations entre les Seychelles et l'Algérie. On a parlé particulièrement de la coopération dans le domaine de l'éducation, le secteur des services pour encourager l'investissement dans les deux pays et bien sûr pour renforcer les échanges culturels à travers les bourses octroyées pour des étudiants de Seychelles en Algérie. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.